21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Allez, on va faire un petit chéri, je t'ai fait cocu comme prévu. Dimitri qui est là maintenant, 24 ans, de Courtrai. Salut Dimitri. Je ne me trompe pas avec Courtrai, hein, que ce soit clair. Ouais. Donc c'est bien Courtrai. Salut Dimitri, comment ça va? Salut, ben, ça va bien et toi? Ben, ça va bien aussi Dimitri. On va faire un petit chéri, je t'ai fait cocu. Voilà. Alors, comment s'appelle ta copine? Amélie. Amélie, d'accord. Elle a quel âge? 20 ans. D'accord. T'es avec elle depuis combien de temps? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, ok. Et tu l'as déjà trompé combien de fois? 3 fois. Ouais, jamais. C'est pas mon style, non. Ouais, mon petit mytho. Ah, c'est jamais. D'accord, ok. Bah, tu devrais, hein, parce qu'avec ce qu'elle fait derrière ton dos, bon, franchement... Ça, tu sais pas encore. Bon, Dimitri, et t'as prévu quoi comme plan pour la rendre hystérique? Alors, en fait, moi, ce que j'ai prétexté, c'est que pendant qu'elle était en vacances le deuxième week-end du mois d'avril, d'accord, moi, j'en ai profité pour aller en Suisse voir un pote qui a vit là-bas. Et le samedi soir, il m'a emmené en boîte et il m'a fait rencontrer Dana, qu'il connaissait. Et donc, il faut que pas croire que je l'ai trompé avec cette personne-là. D'accord. Et cette personne qui est venue te rendre visite d'ailleurs ce week-end. Et voilà. Elle est suisse. Elle est suisse. Ah bah suisse. Non, elle est pas suisse. Elle est suisse. Voilà, non, il vient de dire. Je voulais faire l'accent non, suisse. Non, surtout pas parce que tu le fais très très mal. Comme ben tous les non, autres. C'est comme ça. Non. Bah oui, moi je suis. Non. Bon, alors Dimitri, comment elle s'appelait la meuf? Manon. D'accord. Bah ça s'appellera Manon et donc Sandro va de nouveau se faire insulter. Putain, ça faisait longtemps qu'elle s'était pas fait traiter. Ouais, de, ça me manquait un peu. De là. Chienne et pute et tout ça. Les gars, je crois que je connais un mec dans Secret Story en fait. Ouais, c'est Ronaldinho. Non, mais j'ai l'impression de le connaître. C'est ah bon? C'est raconte. Ouais, bah je sais pas, c'est un rebeu, je crois que je le connais. Ah bon? Sa tête elle me revient beaucoup trop pour. Bon ben réfléchis un peu, le temps qu'on fasse si le chéri je t'ai fait cocu. Une meuf là, entre ses deux dents de devant, il y a 4 cm. Ouais, il y a un gros trou au milieu. Elle hein, peut passer sa langue quoi. Bon, on fera un petit récap tout à l'heure aussi de ceux qui sont dedans là. Bon, Dimitri, c'est parti, on y va, on appelle Amélie, au plus elle se vénère, au plus tu as de chance de repartir avec les cadeaux, si elle pleure, c'est perdu. C'est parfait. Donc autant te prévenir directement, évite de faire comme certains, n'annonce pas de nouvelles comme si c'était le drame de l'année, parce que sinon elle va se mettre à pleurer parce qu'elle va voir que tu te rends compte que t'as fait une connerie et hop, elle va te chouler. Mais fais-le à la gros machou qui en a rien à branler, comme ça elle va plus se vénérer. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle, bonne chance Dimitri. Ça marche, merci. Allez, derrière Véronique, on essaiera d'appeler Evangélie aussi là. Et puis Justine, Sarah qu'on va récupérer et tout le monde avant minuit quoi qu'il arrive. Alors. Allô. Ouais bébé. Hey. Ouais, ça ouais, va mon cœur. Ouais. C'est mignon. Ouais. Elle est bon, j'ai réussi à avoir un portable là. Ouais, bah je vois ça. Ça a coupé. Mmh. Je voulais te dire un truc. Tout à l'heure avant que ça coupe. Mmh. Bah en fait voilà, je sais pas si tu te souviens, enfin tu devrais bien te souvenir quand même. Au mois d'avril, t'es parti en vacances avec tes parents. Ouais. Ah oui, j'avais oublié, dis donc. Et donc en fait, vu que moi j'avais pas trop grand chose à faire, puisque t'étais pas là, j'étais me taper l'autre meuf. Je suis parti en Suisse voir un ami d'enfance. Mm-hmm. Et puis donc ça s'est super bien passé et tout. Et en fait, le soir, il m'a demandé de venir en boîte avec lui. Puisque lui il adore les boîtes et tout ça tous les week-ends. Donc j'étais avec lui et puis à partir de là, m'a fait rencontrer une fille qu'il connaissait. Et puis on a discuté tout ça et en fin de compte à la fin elle m'a raccompagné jusqu'à l'hôtel où j'étais et puis je l'ai... Bah pourquoi t'étais pas chez ton pote? Non, parce qu'il a pas pu me... Il n'a pas pu m'héberger à ce moment-là, il n'avait pas assez de place, donc il m'a dit qu'il allait me payer l'hôtel et tout, ce qu'il a fait, et donc en fait, vu que j'étais tout seul à l'hôtel et puis que t'étais toujours pas là, je l'ai emmené, elle est montée, et puis... Comment ça t'emmène des filles? Comment ça, elle va être chaudée. De toute façon, déjà, pourquoi tu me dis direct pourquoi t'emmènes des filles? Je sais pas, jusqu'à preuve du contraire. Je sais pas. Toi, tu peux quand même discuter avec des nanas. Ouais, c'est pas ce que tu vas lui annoncer. Avec quoi. Voir les emmener, et alors, et il s'est passé quoi? Rien. Donc, en fait, on est parti boire un verre au comptoir de l'hôtel. Tu l'as emmené dans la chambre. Et tu l'as emmené dans la chambre. Puis, j'ai couché avec. Mais quoi? Alors, voilà quoi, ça c'est...
Tu fais démonter ses petites fesses. Tu te fous de ma gueule. Non, même pas. Je sais que t'as grave confiance en moi et tout, tu vois. Moi aussi, j'ai confiance en toi, mais je sais pas ce qui m'a pris ce soir-là, quoi. Je sais pas si c'est le fait que j'ai bu de l'alcool ou quoi, ou je sais pas, l'ambiance. Le fait il a bon dos, l'alcool, hein, c'est toujours l'excuse. Comme ça, et voilà, quoi. Mais bon. Non, mais t'es sérieux, tu plaisantes pas, là? Bah, non. Est-ce que j'ai une tête à présenter, là? Sandro, Manon, on y va. D'abord toi. Oui, de moi. J'en ai foutu un. Tu n'aurais pas. Il y a vraiment des gouines. On a dit qu'on se disait, si on avait envie ou je sais pas quoi. Ouais, bah attends. Comme t'es chez lui, t'es pas censé y être. Non, je comprends pas. Enfin, t'as un truc, hein. T'es une professionnelle ou quoi? Quoi, un truc sur les gueules et tu vas parler comme ça? Des gros nichons, un cul et ça y est. J'ai couché avec une nana pendant que t'étais pas là, quoi. Une inconnue en plus. C'est quoi ça? Comme je suis parti la voir il y a 2 mois et demi, bah en fait elle a décidé de venir me voir ce week-end à la maison. Quoi? Et donc en fait elle est avec moi ce soir. Et non mais là, voilà, tu te fous de ma gueule. Non, mais c'est quoi ton délire là? Je sais pas pourquoi tu prends comme ça, quoi. Dis-lui. Bon, t'as voilà, fini. Non, je prends comme ça, moi je te dirais, je vais aller viser avec un mec, ça fait 3 mois que je te l'ai pas dit. Ça fait quand même. Oui! C'est bon, t'as comment ça? Non! Mais ça fait 10 minutes là, je t'attends moi! Ouais, attends, j'arrive, mon cœur. Dépêche-toi, chérie, je t'attends. Ok, pas de soucis. C'est quoi cette pétasse? Bébé, vas-y, c'est quoi ça? Attends, t'énerves pas, hein? Ah si, vas-y, tu vas me la passer, celle-là. Non, attends, ça fait quand même presque deux ans qu'on est ensemble. Hein. Ça fait des mois qu'il se passe plus rien. C'est dommage qu'il n'a pas sauté sur l'occasion. Je sais pas, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, moi, j'étais en Suisse et tout ça. J'ai vu une super belle blonde. Vas-y, raccroche, tu te saoules. Bon, Dimitri, c'est bon maintenant, chérie, tu raccroches, là, c'est bon. C'est qui, là? T'es avec ta mère? Ouais. Ouais, mais dépêche-toi, alors. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Y a pas de souci. Dans 2 minutes, à toi. Tu m'attends, ouais, hein? Tu me la présentes quand? Ouais, bah maintenant, viens là, quoi. Vas-y, viens là. Ah oui, c'est qui? Ouais. Vas-y. J'entends quelqu'un, viens. Là. C'est qui, là? Allô, bonjour. Enchantée, ouais. Madame. Vous êtes non, la maman de Dimitri? Non, pas du tout. Ah, vous êtes pas la maman? Non, c'est qui, toi? Et c'est qui, chérie? Tu m'as dit que t'étais ta maman. Chérie, tu l'appelles pas chérie, s'il te plaît. C'est mon mec. Et pardon? Qu'est-ce que tu viens de me dire, là? C'est pas ton chéri. Si, c'est mon chéri, c'est mon mec, Dimitri. Non, tu vas te calmer, toi. Mais t'es qui, toi, d'abord? Et moi, je peux savoir qui t'es, là. Un congru, je te parle comme je veux, tu vois. Tu me parles pas comme ça, moi, les deux. Je te parle à qui je veux, quand je veux, où je veux. C'est qui, cette pétasse, chérie? Tu me ramènes, là? Allô, t'es qui? Grosse pute, va. Pardon, tu me dis quoi, là? Ouais, t'as espèce très bien de entendu. Espèce de petite pétasse, va. Mal intentionnée, tu me dis pas ça, hein. Mais ça va pas ou quoi? Non, chérie, tu me veux ça, hein. Mais t'es malade, qui tu es? Bah, tu dois le savoir, non? Moi qui mente à tout le monde. Bon, c'est qui, chérie? C'est qui, cette pute? Arrête de l'appeler chérie, là, ça me saoule. Ah, t'es son ex? Non, pas du tout. C'est toi, Amélie, hein? Ouais, c'est moi, Amélie, hein. D'accord, et tu veux le récupérer, c'est ça? Mais c'est mort, hein, il est pris depuis longtemps, tu sais, ton mec. Il a choisi, je lui ai demandé de faire un choix, comment il a choisi. Hein. Bah, je lui ai demandé de faire un choix, il a choisi. Hein. Ouais, c'est apparemment, ça. Apparemment, il se passait plus rien. Je peux savoir, t'es blonde, c'est ça, t'as un beau cul, c'est ça? Ouais, ça par contre, oui, c'est ce qu'il me dit en tout cas, hein, mais ça, tu lui demanderas. Hein, ouais, si tu veux mais savoir tu dois pas avoir grand chose dans la tête par contre. Non, mais c'est pas très important, tu sais, ça. Ah ouais, bah si tu veux des mecs juste pour baiser. Par contre, j'ai des gros seins. Ouais, bah je m'en fous. Et toi? Il aime les petits seins, lui, de toute façon, donc... à mon avis, ça doit pas être ça qui plaît, hein, tu vois. Je pense qu'il t'a mitonné un petit peu, hein. Ouais, c'est ça. Oh, vas-y, j'ai plus envie de te parler, tu là. Tu vas boire un petit verre ou quoi, là? Je vais servir pour tout le monde. Ouais, file-moi un verre, parce que là, je me tape une nana, laisse tomber, quoi. Ah bon? Bah Dimitri, vous voulez voir... Super relou. Eh, d'ailleurs, tu devrais lui parler, tiens, toi qui es célibataire. Elle lâcherait un peu mon mec comme ça. C'est qui ça encore? Mais vous êtes combien là? 9 célibataires. Ouais, célibataire, ouais. Ah bah ouais, écoute. Ah, elle est pas super bonne au pieu, c'est ce qu'il me disait Dimitri, mais tu peux essayer. C'est relou là, pourquoi tu me passes les cassos à chaque fois? Non, mais tu peux gérer un petit dos ça pour un soir. Attends, je te la passe, qu'elle me saoule. Allô? Ouais. Bah bonsoir. Ouais. Comment tu t'appelles? Je sais
sais pas, t'es qui toi? Vous êtes combien là? Moi je m'appelle Michel, bah on est trois avec Dimitri là. Michel, bah t'as un vieux nom, Michel. Bah excuse-moi, j'ai pas choisi hein. Et je t'avais dit qu'elle était de quoi? Ouais, elle est un peu relou. Hein. Bon, hé, Amélie. Elle compte pour qui l'autre là? Elle m'a dit que tu t'appelles Amélie, c'est ça? Ouais. Ouais, mais c'est ma copine, ça, c'est pas ma copine, c'est une copine, c'est moi qui l'ai présentée à Dimitri. Ah bah t'es super toi, tu sais pas qui je suis toi. Bah non, mais quoi, tu veux que je vienne te chercher? Elle est encore amoureuse de lui apparemment. Bah, comment ça, t'es amoureuse de qui, Dimitri? Oui, pourtant il se passait plus rien depuis deux mois. Non, c'est pas vrai, ça fait deux ans que je suis avec lui, je suis plus amoureuse de lui, t'as raison. Bah oui, mais il a l'air plus de... Bah lui par contre, il a l'air d'avoir tourné la page, hein. Ouais, c'est ça. Bah écoute, enfin sinon moi je te dis, je suis célibataire aussi, donc bon... Bon bah mais tu l'apprends et tu lui dis maintenant, hein. Bah, il m'intéresse pas, il m'aime, je sais pas ce qu'il a foutu là en avril, mais... Ah bah moi je peux te dire ce qu'il a fait en avril, enfin on va pas rentrer dans les détails, mais... Enfin, il a été quoi. Hein donc, ah, c'est vieux rire de pétasse. Ouais, attends, ça va, c'est une copine à moi, la traite pas comme ça. Arrête et... pas les fesses. Mais je m'en fous que c'est ta copine, je te connais pas, je vous connais ouais, pas. Mais moi j'aimerais bien te connaître, Amélie, c'est Michel. Mais je m'en fous, tu m'intéresses pas, moi je veux parler à Lilo. Je sens que c'est l'inverse en fait, Amélie. Tu vois, j'ai le don comme ça pour ressentir un peu ce que les filles pensent. Et là, je sens que c'est l'inverse. Arrête, Amélie. Pas les fesses, chérie. Amélie. Arrête, t'as tourné son corps. Là, je sens que t'es intéressée, là. Par toi? Ouais. Alors, mais... t'as qu'une seule chose à dire et je viens te chercher ce soir. Non, mais parce qu'en plus, tu connais aussi, ouais. Ah bah là, mais t'as quand même donné ton adresse, hein. Moi je GPS, ouais, mon problème. T'as raison. Non, bah, mais allez, t'as qu'un seul truc à dire et je viens de chercher parler, ce soir. Là, je veux parler à mon Lilou. Allez, Amélie. Non, mais c'est fini. Allez, ton qui? Mon Lilou. Ton Lilou? Ouais. Qui est-ce que ce nom de merde? Michel. Je t'emmerde, non, mais c'est ringard. Comme je veux. Non, mais Michel. C'est ringard. Ouais, mais ouais, qu'est-ce et qu'il y a? Et alors, bah, t'as besoin que t'es célibataire depuis longtemps, toi, ouais. Michel. Ouais. Fais attention, hein, parce que Dimitri m'a dit que ça faisait longtemps qu'elle faisait plus rien, elle. Hein. Ah bon? Ouais. Mais quoi, t'es un peu coincée du cul, Amélie? C'est pas un avantage, il paraît, cette fille. Hein. Ouais, hein? Bah, je fais plus de trucs que toi, en tout cas. Hein. T'es célibataire depuis quand, toi? Bah, moi, depuis une demi-heure, là. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Et après, tu viens me parler, c'est bon. Bah ouais, bah allez, Amélie, bah, on se voit ce soir. Non, pas du tout, on se voit ce soir. Bah, on dirait, si tu fais des maths toutes les demi-heures. Mais même pas, on se voit ce soir, je te mets une cartouche et puis je rentre chez moi. Et puis comme ça, t'auras pris ta mère. Ah, parce que tu me prends pour l'autre pétasse d'à côté. Moi, je suis pas une pute, hein. Ah, mais ça n'a rien à voir, je te compte pas te payer, Amélie, hein. Bah, elle a sûrement dû être payée, hein. Ça, j'en sais rien, moi, après, elle fait ce qu'elle veut, hein. Donc ça te branche une petite cartouche? Non. Allez. Ah. Allez, Amélie. Mais c'est bon, là, chez moi, là. Allez, Amélie. Ah. Tu veux que je te repasse la pute? Non, bah alors non. Celle-là, c'est bon. Tu entends pute derrière depuis tout à l'heure, c'est bon. Ça va, elle reste encore calme. Hein. Ouais, ouais, ça va. Elle reste encore calme pour le truc. Amélie. Ah, je reste calme, ouais. Ben ouais, mais c'est parce que moi, je vais l'attendre de le voir. Tu vas voir, il va passer un sale moment, celui-là. Ah, oh, mais t'as raison, attends, défoncé, mais rien à voir. Hein. Bon, attends deux secondes, parce qu'il faut que j'aille servir un verre à tout le monde. Je te rappelle dans 2-3 minutes, le temps que je bois, qu'on boive ah un oui, petit verre. Ah oui, c'est ça, j'ai que ça à foutre. Bah, je te rappelle. Bon, à tout de suite. Bon, on la rappelle pas. Allez, salut. Hein. À tout de suite, ma chérie. Hey. Tu me parles autrement, s'il te plaît. Bisous, hein. Ouais, c'est ça. À tout de suite. T'inquiète pas, ça va être rapide. Je te rappelle dans 2-3 minutes, bouge pas, d'accord? Allez, bouge pas, ma chérie. Tout de suite. Ah, je sens que c'est l'affaire qui roule. Hop là, je vais raccrocher les bouts. Bon, Dimitri, bouge on pas. On est méchants là. Bouge pas, on fait une petite pause, on revient dans 3 minutes, on la rappelle, d'accord? Ok, ça marche. Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.